Alors, ah, il y a un temple. Super. Ah putain, quoi? Attends, on est dans les villes d'aide ou quoi? Ok, ça se... Oh! Ah! La nature m'agresse. Faut que j'y foute le feu ou quoi? Tu vas mourir! Tiens, la nature, mange tes morts. Je vais pas y foutre toutes mes flèches quand même. Wow. Putain. La vie diminue lentement. Ah, les effets du réchauffement climatique. Et quand il meurt, il devient... Ouh. Il devient du matériel. Oh, plein de lait. Non, non, mais il roule pas ça, on s'en bat les couilles. Fruits d'oiseau. Mais c'est nul. Et si... Voilà. Comme ça, il ne roulera plus. Ok, bon, enfin, bref. Ah non, la météo. J'en étais allé là. Putain, j'ai peur maintenant de tout. Je vais avoir peur de tous les arbres maintenant, merde. Lui, c'est un arbre. Il est bizarre, lui. Non? D'accord. Alors, on va aller là. C'est pas génial. Devenu arbrophobe. Bah, y a un petit côté Evil Dead hein, dans le délire. Hein. Ah des. Ah oh, des trucs. Merde. Attends. Des trucs pour faire des machins qu'on sent que ça sert à rien. Super. C'est pour aller là. Faire un truc qui vole et puis pour aller là, c'est ça? Ça sert à quoi? C'est quoi c'est que cette merde? Si je monte dessus, je peux pas monter dessus? Ah non. Parce que je voulais genre taper dessus et puis monter dessus et... Merde, non. Let's go l'aventure. Ah je peux utiliser... Ah non, on peut vraiment pas désolidariser. Ah. Peut-être que... Je me souviens plus s'il m'avait expliqué qu'on pouvait désolidariser les armes des trucs. Puissance éolienne.
C'est bizarre ça. Ouais, je peux pas grimper, allez, d'accord. Ah d'accord, ok, j'ai compris. On fait comme ça. Oh bah il faut que je fasse... Pourquoi j'ai pas pensé à ça? Je suis débile ou quoi? J'ai grugé autrement. J'avais pas la paravoile. Ah bah voilà, bah tu vois? Hein? C'est un problème. T'as même réussi, putain, t'as réussi sans paravoile et sans allumer le moteur. T'es un fifou, mais comment t'as fait du coup? Allez, ça va aller tout droit. Oui, ça va vite en plus, et merde. Stop. Attends. Merci. Il veut pas. Ah, il veut pas se désolidariser le coffre. D'accord. Ah, ok, d'accord. Ok. J'ai utilisé le pouvoir pour remonter le temps. T'es remonté dessus, d'accord, ok. C'est vrai qu'il est un peu pété le pouvoir pour remonter le temps quand même. Alors donc ça il faut d'accord, ok. Merde, j'ai... Incroyable. Et maintenant, il faut que... Je refais pareil que tout à l'heure. Tout simplement. Oui, je sais qu'on peut décoller des trucs qu'on a collés, mais quand c'est des trucs qu'on a mis sur les armes, tu vois, comme par exemple mon bouclier Zozio, là, mon magnifique bouclier Zozio, est-ce que je peux le désolidariser? C'est la question que je me posais, en fait. Ah, on peut-être... Attends, ta gueule. Ouais. Ta gueule? Voilà, merci.
Ah mais 2 ça va monter super vite comme ça. Ah l'inventaire tu défais amalgame. Mais tu perds le... Ah tu perds le truc, ouais c'est ça, je me disais bien qu'il y avait un problème. Tu gardes le bouclier mais tu perds le... Ok. On va prendre ça, parce qu'on sait jamais. Je vais le monter avec moi. Et je vais reprendre ça. Mais par contre, faut l'éteindre. Faut l'éteindre. Ah! Ça marche pas? Peut-être que ça, c'est faux. Ah merde, ça ne marche pas en fait. Ah chiotte. Ah, c'est chiant, chaque fois qu'il saute une plateforme et tout, il est... Bon bah, on va le mettre... Ah, j'étais passé. Ah! Pourquoi ça marche pas? J'ai fait comme bêtise. Ah bah putain, non! Je suis baisé maintenant. Ah bah non, je peux peut-être faire... c'est bien, on n'est jamais baisé comme ça. Voilà, on n'a rien vu. Ça me fume le nombre de... Ah ouais c'est clair. Mais déjà dans Breath of the Wild il y avait plusieurs façons de résoudre des trucs. Mais maintenant c'est encore pire quoi. De la plus évidente à la plus pétée. Mais du coup c'est bien parce que ça personnalise vraiment le jeu de chacun. Comme le faisait déjà son prédécesseur. Mais vraiment à un niveau vraiment supérieur quoi. Et ça, c'est un vrai jeu vidéo, quoi, comme on en voit quasiment plus maintenant, quoi. Chaque expérience est propre à chaque utilisateur et le gameplay sert parfaitement tout ça, quoi. Essaye de le faire sans part. Ah bah j'imagine même pas, ouais, effectivement, mais tu as beaucoup de mérite de l'avoir fait. Après, j'espère que maintenant, tu as quand même été chercher la paravoile, parce que c'est quand même un peu con de faire le jeu sans paravoile, quoi. C'est un peu... Je suis con, je vais refaire la même chose. Hop. Ah, c'est pas assez. Merde. Ah, le con. D'accord, ok. On va le mettre là-bas, alors, du coup. Ah, je peux le soulever comme ça. Ah oui.
Ah. Attention, ça glisse. Bon, c'est bon. Y a rien. Ah, si, un coffre. Putain. Matraque à pine. Mais j'en ai déjà une, non? Bah, du coup, voilà. Ah, j'ai gourdin à pine, moi. Je vais changer avec ça. Je sais pas où je vais. Irule ASMR. Hein. Moi, je veux juste un cheval à la base parce que voilà. Mais bon, tant pis. Hein. J'ai une pierre trop cheatée. Voilà, j'ai pour objectif simple les tours. Voilà. Les tours et les temples. Donc je vais en direction des tours. Dès que je vois un temple, je vais de... Ah putain, ils ont refait le coup de la grosse merde qui bloque le pont. Au secours. Oh, le puits. On ira dedans un jour. Puis on va mettre une balise. Ok. Ça, c'est un arbre qui... Non ? Non, ça va. Ah putain ! Non ! Non ! Non ! Non ! Méchant ! Qui a lu le Necronomicon ? J'ai vu un caillou par là, un rocher. Oui, il était là. Secours. Bon bah on va se faire ça là. Ou pas. Je vais passer discrètement. Je vais piquer quelques pommes au passage. Plein de choses. Très discret, le bruit des bottes. Ouh, super, un champi gris. Oui, oui. Cours si tu l'oses. Je ne me sens pas prêt.
Je pense que là, ça doit être bon. Yes. J'aurais été dans la grosse de mer, sinon. Oh, quelle déception. C'est une petite merde à rubis, ça. Ils sont souvent près des grottes, hein. C'est qu'il doit y avoir une grotte à merdouille, alors. Je sais pas comment on peut le toucher plusieurs fois, hein. C'est compliqué. Bonjour. Trouve-t-on vraiment des élusis dans les grottes? C'est quoi un élusis? Ah bah c'est le truc que je ramasse. J'ai... Warg. Faut pas faire peur aux gens comme ça, j'ai fait... Il fait ça tout le temps, Link. Serais-tu que moi à la recherche d'élusis? Des créatures qui vivent dans les grottes, elles émettent une lueur bleuâtre. D'accord, d'accord. Ce sont deux drôles d'oiseaux que j'ai croisés au relais de la forêt de la région d'Ordine au nord-est qui vont en parler. Ils cherchent une chose que l'on trouve que sur les Élusis et ils m'ont demandé de leur rapporter. Visiblement, je ne suis pas le seul sur le coup. Ils sont peut-être échangés ce qu'on trouve sur les Élusis contre de jolis trésors. Ça sent à la bonne affaire, mais il y a un hic. J'ai aucune idée des monstres que je peux croiser dans la grotte. Hein. Oh, c'est bon, j'ai déjà fait plein de fois. Mais... Il s'appelait comment? Gly? Est-ce que c'est un glidator? Moi j'y vais, moi! Ah non, c'est des gros trucs de merde. Là. Allez, ben on s'étire, on vient voir papa. Et on accepte de s'en prendre un peu plein la gueule, voilà. Les bruits de fessées que ça fait, quoi. Sans vraiment qu'on donne des fessées au mob. Voilà. Ah merde. Je croyais qu'il fallait le remettre debout, moi. Ah mince! On va jeter cette grosse merde là. Ouh! Ah bon, on va jeter cette grosse merde là. T'as un bouclier de soldat, waouh! Comment ça, bouclier de voyageur, c'est plus fort? Hein? Ah non, d'accord, c'est parce que... Okay, d'accord. J'ai encore pas amalgamé les bons trucs, moi. Mais ramasser quoi? Ah, c'est le bouclier. Non. Ah, putain. Le gros poisson. Oh, il est... Ah bah non, c'est de là que je viens, je suis con. Il est un peu débile des fois ça. Les choupetteurs. Oh, il y a des gros poissons. Est-ce que ça... Ah non, d'accord. Je pensais que le courant allait me la porter.
Ton espèce n'apprendra jamais. Merde. Non, c'est pas grave. Là, il y a des grenouilles. On s'en fout un peu. Parce que je vais tomber, là, si je vais dedans. Là. Je vais être emporté par le courant. C'est pas de la petite grotte. Hein. Merde. Ouh. Là, c'est un champilumose, quoi. D'accord, qu'on peut aller sous la cascade, très bien. On va le faire présentement. Ah. Merci beaucoup pour le raid, bienvenue tout le monde. À chaque fois ça me fait sursauter. Comment ça va? Ouh. Putain, ça valait le coup. Merde, je me gourde de boutons à chaque fois, c'est ouf. D'accord. Ah, j'ai envie de... Ouais. Ah bah, je monte à l'étage supérieur du coup si je vais là. Ouais, d'accord. Logiquement. Ah, ou pas. Merde, j'ai peut-être fait le con. Non, si, c'est bien. C'est très bien, c'est exactement ce que j'escomptais. Ah non, 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 ah. Le courant est puissant dans cette famille. Bonjour Henrius. Alors s'il doit bientôt se briser, que ce soit... Ah merde, ah du coup ça... Ah non, je croyais que ça m'avait éclaté à la gueule. Et où le petit animal? J'étais en mode, je vais pouvoir lui défoncer la gueule. J'étais tellement prêt. Ok. J'étais en mode licorne sur Chain Decals, personnellement. J'ai fini GTA X Survivor. Ah, j'ai pas encore commencé. Hein. Ah, et donc ça, c'est trop finiou du... Ok. 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 Celui qui broute, on va target celui qui broute. Sa vision est basée sur le mouvement. Surtout, ne parlez pas. N'allumez pas de lampe. Un petit dada. Wouhou. Ah, ça fait plaisir. Il me manque un petit truc. J'aurai le 100%, mais j'ai un peu la flemme. Ah oui, bah oui, forcément, c'est toujours un peu compliqué les 100% dans les jeux. Wouhou. La meilleure méthode pour les attraper, c'est de les surprendre en courant, oui. Non mais t'inquiète pas, j'ai fait le précédent jeu. Bon, peut-être ouais, c'est là, bah je sais trop bien, je vais aller l'enregistrer tout de suite. Comment on fait déjà pour qu'il soit amoureux? Ah merde, non, c'est pas. C'est un coup de gourdin, non? C'est ça, non, c'est elle, pardon. Voilà, c'est ça.
Voilà. Bonjour, j'ai enregistré mon cheval. Ah! Excusez-le, il est un peu foufou, il est jeune. Il veut pas. Allez. Merci Henrius, merci beaucoup, bonne douche. Je vois que tu n'as pas ta carte de fidélité après. Oh, tu vas devoir t'inscrire. Mais j'ai plus ma carte de, du jeu d'avant là. Je dirais les périmés là. En... Il s'est passé combien de temps? Il s'est passé 6 ans? Je sais pas, je sais plus. Quel est ton nom? Ah bah tu es déjà une carte chez nous, tu es déjà. Je suis déjà consommateur, je suis déjà membre. Ah, oh, vous allez pouvoir t'inscrire dans ce cas. C'est plus le système de relais. Voir s'il y a quelque chose de nouveau, on ne sait jamais. J'enregistre mon cheval dans mon Pokédex. Nous allons enregistrer de nouveau toute monture que tu nous avais confiée. Ah, on peut retrouver nos chevaux. Attendez un petit peu. Je peux récupérer mon cheval Ah! Je la laisse ici parce qu'apparemment j'ai d'autres chevaux, c'est ça que tu m'as dit? Bon, je vais récupérer mon cheval LGBT moi. Mon cheval queer, il est où? J'arrive pas à croire, j'ai oublié de t'expliquer le système de pouvoir. Non, oh, mais c'est nique ta mère. Mais... Ah, on gagne des points maintenant, d'accord. Le nouveau relais de là, ça. Prêtez ça, voilà, 2 points. Ah oui, d'accord, ils ont poussé le truc. Collectant les points, tu peux avoir des récompenses fantastiques. Ouais, j'imagine que ça va être pour pimper les chevaux, quoi. Guichet de registre. Emmener un cheval. Ah. Oui, j'ai mon petit bourrin. Ah, mon petit bourrin est toujours là. C'est bien, il y a toujours cheval, il y a Rosette. Ah, je suis content, c'est très bien. C'est parfait. Je suis définitivement dégoûté alors. J'avais déjà vu que des gens avaient pu récupérer leurs chevaux. Moi, le jeu me l'a pas proposé. J'imagine qu'ils regardent pas la Save Pro. Comment ça, la Save Pro? Bonjour le chien. La save en hard mode. Quoi? Pourquoi? Un client. Ah. C'est la TDS du coin, c'est ça. Paturi. Tu as de la chance d'être arrivé chez nous. Ah non, d'accord, avant la tombée de la clan du tombe. Je suis un peu occupé pour l'instant, mais si tu as besoin de nos services, n'hésite pas à te rendre à l'accueil. Occupé à quoi? Regarde-moi cette bataille. Quoi, ah oui, d'accord, il lui manque des roues. Ah, je sais faire ça, des roues. J'en ai vu plein partout en plus. Oui. Évidemment, il y a encore du travail. Je vais faire, c'est bon, je sais. J'imagine que l'un des chevaux sauvages que l'on trouve par ici, à la fin.
Allez, matériaux de construction. Des chevaux sauvages. Tu peux le brûler aussi. Quoi? Bon, le chariot? Merde. C'est bon, c'est bon. Je peux te filer le cheval que j'ai récupéré là. Ça va aller. Si j'avais un chariot, y a pas de souci. Regarde. Oh le chien, il fait son. On appelait ça faire son picotin dans la famille. Donc vous saurez, le chien fait son picotin, voilà. Regarde, je te mets une roue, t'as vu? Chpouk! Incroyable! Vous savez pas faire ça, hein, vous autres. Hein. Vous avez besoin de vos mains, hein, bande de nuls. Ta-da-da-da! Il est réparé! Eh oui, avec de la super glue. Et ils auraient pu pousser le délire plus loin jusqu'à... Enfin, il faut tuer des chuchus verts pour avoir de la glu pour coller les trucs. C'est toi qui l'as réparé? Oui! Mais je t'en prie. T'es de vrai héros, on croirait un chariot tout neuf, je te remercierai jamais assez. Ah, ils ont enlevé la glu. Je m'étais aussi proche de réaliser mon rêve entièrement grâce à toi, bien sûr, il reste encore plus difficile à travers un chariot. Je l'ai. C'est bon, attends. On va taper Speedy. Ça a super bien tourné avec la glu, c'est clair. Et bonjour, stupide enfant. Donne-moi Trufigno, et... Voilà. Je lui file Trufigno, comme ça elle sera contente. Tu sais siffler? Oui, je sais. Je sais. Allez, en avant. Ah putain. Ah merde. Je suis bourré de boutons. Ah, il est parti au galop, ce con. Calme-toi. Il s'arrête pas. C'est ton cheval, j'imagine. Il est magnifique, il a l'air robuste. C'est exactement le genre d'animal qu'il me faudrait. Tiens, je te le donne. C'est de la merde, de toute façon. Oui, tu vas t'amuser. Il est pas dressé du tout. Il est vraiment super sauvage, là, vas-y. Un harnais? Putain, une pièce d'équipement que tu peux remettre à tes chevaux. Si ton cheval porte un harnais, tu peux ensuite l'atteler à un chariot ou encore... On va pouvoir vraiment faire ça? C'est un des prix que te rapporte notre point de finalité. Ouais, j'en étais sûr. Moi, juste une seconde. Et voilà, c'est terminé. Merci encore. Mais oui, mais c'est incroyable, non, qu'une vieille guimbarde pareille soit devenue un aussi beau chariot. Oui, alors autre chose qu'avec des bisous, s'il te plaît. Des rubis? Un rubis, j'aime bien aussi, si c'est un rubis comme ça, mais... Je sais même pas comment tu t'appelles. Je suis l'élu. Ou le chevalier héros. Ou le héros. Ou le... Voilà. Le chariot Paturink. Ah, je suis désolé. C'est comme si on avait eu un enfant, c'est un peu dégueulasse quand même. Ouais, c'est bon. Bah, tu me sers à rien, hein, techniquement. Oui! Alors, qui c'est cadeau t'a parlé? Tiens, il y a lui. Comment ça se passe quoi avec la caméra? Ah, tu veux dire ma webcam? Bah, j'allais pas mettre le fond vert, on est en pleine journée, je n'avais pas envie de m'enfermer dans le noir. C'est tout. Alors, c'est toi, Alain,
On m'avait dit que vous aviez disparu, Son Altesse Zelda. Et toi, c'est un Shaka du coup. Je suis vraiment soulagé de vous savoir en vie. D'ailleurs, où est Son Altesse Zelda? Ah bah justement, c'est la question. La caméra du jeu, ça bougeait bizarrement. C'est fier, d'accord, j'ai pas fait gaffe. Que... On ne sait toujours pas où se trouve Son Altesse Zelda. Link, si tu dis vrai, tu devrais aller voir tout de suite demain, pas. Ah bah voilà, elle est là-bas. Très bien. Peut-être des informations qui t'aideraient à trouver la princesse Zelda. Pourquoi vous êtes plus au village Cocorico? Oh dis donc, il y a des... Oh mon dieu, il y a des... comment ça s'appelle là? Des glyphosates? Non, c'est... Merde. Ah putain, des crop circles, voilà, c'est ça. Ah, il y a un temple, super, on va pouvoir avoir 4 cœurs comme ça. C'est quoi? Ah, c'est bon, d'accord. Madame, tu passes ce balai, ça va? Hi. Why you? Le relais de l'hélas. Non, elle se trompe, le relais des piafs. Il y avait un relais similaire, celui-ci près du village des piafs. Ouais, il a été fermé pour cause de grandes vagues de froid. Éditeur de journaux qui s'y est installé, d'accord, Gavin. Prépare-toi bien si tu y vas, d'accord. En fait, tiens, prends ça. Merci, mais j'ai mieux. Rien plus besoin, alors. Je vais passer la nuit, adresse-toi au guichet. Les géoglyphes, voilà, c'est ça, les géoglyphes. Qu'est-ce que ça raconte aujourd'hui? Pourquoi j'attaque ma lecture? À la une! Une vague de froid menace les piafs. Le village piaf coupé du monde par une vague de froid. Les piafs soucieux de pénurie de nourriture. C'est terrible, il va falloir te couvrir pour te rendre au village piaf où tu risques bien de mourir. Ah oui, c'est ça qui t'inquiète. On a parlé de pénurie de nourriture juste avant le gars piaf. Oh, dis donc, il va faire froid hein, si je mettais une petite laine. Effet d'hiver, s'il te plaît. Attention à la bien nommée lune de sang. La nuit, quand la lune devient rouge et prend le nom de lune de sang, les monstres reviennent à la vie. Je me souviens avoir croisé... La gazette des bouées. Eh mais c'est pas mes chevaux, c'est l'arnaque. Il y a les chevaux d'autres gens. Il a le style avec la tenue de grimpeur. Hein. Qu'est-ce que tu veux? Je suis de passage. Gamio. Si tu as besoin de quelque chose, tu devrais demander à l'employé un relais. Mon grand frère se dispute depuis des heures pour savoir où on doit aller. J'en ai marre. Je les entends, alors je suis ici, c'est tout. Toutes ces histoires de légendes et de mystères, franchement. Moi, je m'intéresse plus aux grottes et aux ruines tombées du ciel et tout ce qui est apparu pendant le cataclysme. Mais tu as bien raison. Ta curiosité sera récompensé ou pas. Ah mais les puits hein, va falloir aller dans les puits un moment. Et moi mes articles, hop là, bonjour Terry. Qu'est-ce que t'as acheté à vendre? Des flèches, tout ce qu'on peut trouver dans la nature. Quoi. Tu veux m'arnaquer, mec, hein? Et putain, mais il se prend pour Mario, quoi. Ok. Bon, quoi. Youhou! Wouha! Yippie! Une recette. Wow. Ah, je vais la prendre en photo. Comme ça, je m'en souviendrai.
Ah, c'est les frères qui se disputent, c'est ça. Ne pas toucher le géant du relais, d'accord. Alors, les points. Obtenir une récompense, tire le registre. Consulter les points. Il vous manque un point pour obtenir un harnais. Attends, quoi? Si on passe la nuit, on a un point aussi? D'accord. Hey. Ah, je pensais qu'on pouvait voir la liste des trucs, moi. Ouais, d'accord, c'est ok. On peut pas vraiment choisir ce qu'on veut, ce sera... Une arme légendaire. Réfléchis un peu, s'il y a légendaire dans le nom, c'est que c'est rien de plus qu'une fable totalement inventée. La créature non identifiée que tu cherches est forcément réelle, c'est ça? Évidemment, dans tous les relais, on ne parle que de cette créature. Les relais sont des sources d'informations comparables, mais tu sais ce qu'on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Admettons que ce soit vrai, si on trouve la créature, est-ce qu'on aura... qu'est-ce qu'on aura à y gagner? Alors si on met la main sur cette arme légendaire, on n'aura plus besoin de s'inquiéter pour les monstres, point final. Si elle était légendairement nulle, cette arme, qu'est-ce qu'on en ferait? Plutôt que de faire le tour des relais pour recueillir des informations sur la créature non identifiée. Je pense avoir plus. Chercher l'armée, si elle était un... Ah merde, il... D'accord. J'en saurais pas plus sur la créature non identifiée. Je peux dormir? Ah non. Il faut que je lui parle pour dormir, c'est ça. Oh, dis donc, et oh, lit de Marlon. Ah ouais, on pouvait prendre le lit de Marlon, hein. Faire le plein d'énergie en plus qu'un lit normal. C'est très populaire auprès de nos clients car il permet de recevoir un oracle de Marlon, la divinité. Ah, oh, ça donne envie. Juste pour revoir Marlon, quoi. Mais du coup, ça veut dire que si on essaye de le mettre dans une chronologie, c'est après Ocarina of Time. Lui est réservé aux habitués ayant collecté au moins 7 points. Ah. Non, je vais pas dépenser de la thune. Merci, c'est bon. J'en ai déjà si peu. Mécanisme de survie, désolé. Breath of the Wild est déjà après tout. Ah ouais? Moi je croyais qu'en fait il y avait pas de... Il s'inscrivait pas dans la chronologie, que c'était genre... un truc vraiment totalement à part, et du coup celui-là aussi. D'accord. Donc ils ont bien décidé de les inscrire dans la chronologie foireuse avec les univers alternatifs et tout ça. À voir. En plus débile, en fait, il est censé relier toutes les timelines. Ah ouais, d'accord. Là, c'était l'autre... l'autre hypothèse que j'allais formuler. Mais d'accord. Genre, Nintendo ont pris la timeline au sérieux pour les fans et ils ont décidé d'essayer d'en faire quelque chose, c'est ça. Moi, pour moi, Zelda, jusqu'ici, c'était toujours... Genre une façon différente de raconter une même légende à chaque fois, comme si elle étant transmise des générations en générations et qu'elle changeait de... qu'elle se racontait en fonction des éléments constitutifs de l'époque à laquelle elle était racontée, quoi. Enfin, c'est plus comme ça que j'envisageais le délire. C'est peut-être un peu dommage d'essayer de rationaliser tout ça. Bien. C'est l'occasion de vendre un bouquin. Oui, je sais, je l'ai en plus. Que j'ai pas acheté, non, on va faire ça. Attends, non seulement je l'ai. Attends, je vais te montrer un truc. Moi, j'ai une édition ultime. Il est...
J'ai une édition ultime parce que quand tu l'ouvres, tu es à la fin du livre à l'envers. Il faut avoir le trick, le prendre par derrière, l'ouvrir comme ceci et le retourner pour aller pour avoir le livre à l'endroit. Quand j'ai vu ça, j'étais mort. Et c'est ce qui en fait un exemplaire très très rare, je pense. Mais j'ai l'édition qui prend pas encore Skyward, qui prend pas en compte Skyward Sword, je crois. Ou si elle prend en compte Skyward Sword, je sais plus. Il me semble qu'il y avait une réédition de ce truc. Ouais, c'est ça. Je crois que c'était avant la sortie de Skyward Sword. Y a pas une date. Ah si. Y a Skyward Sword. C'est bizarre. Enfin bref. Y a pas la date de l'édition. Il était sorti pour les 25 ans avec Skyward Sword. D'accord. Bah alors c'est peut-être Wave là parce qu'il y a, un manga après. Il y a le manga Skyward Sword. Enfin, le premier chapitre. 2013. Édition de 2013. Voilà, voilà. Et quoi, du coup, quand je le lis, c'est rigolo. Mais ce débile, il lit un livre à l'envers. Oh, j'avais pas acheté, c'était ma mère qui me l'avait offert pour un Noël, je crois, je sais plus. Alors, bref, où en étions-nous ? D'accord, donc ça j'ai compris. Mais moi c'est pas ça que je cherche. Moi ce que je cherche c'est le coffre. Mais apparemment le coffre n'est pas là pour le moment. Peut-être qu'il est là. Oui. Ouais, ta mère t'offre des trucs pareils, elle défonce. Non, c'est. C'est juste que. On faisait les courses et. Et j'ai vu le truc, j'ai dit ah tiens, putain, ça serait cool et tout, j'aimerais bien l'avoir ce truc-là. Elle m'a dit bah écoute. Je te l'offre pour Noël. Et puis voilà. Non, de leur plein gré, les gens de ma famille. Ne savent pas vraiment quoi m'offrir. Il faut que je fasse des listes. Donc j'ai fait des listes. Alors, est-ce que je peux rentrer dedans? On peut se mettre dedans? Il y a de la place pour une personne? On dirait pas, hein. Ok. Oh, ça me rassure. Ah, des vêtements. Ah, bouh, c'est nul, les vêtements. C'est pour s'habiller et tout. Mais c'est les gens qui sortent qui s'habillent. Hein. Oh là là, les nuls. Mais qu'est-ce que je fais? Au secours! Ah, oh, ça fait un petit papillon! C'est pas du tout ce que je voulais qu'il se passe. Mais c'est rigolo! Mais on va pas faire comme ça. Je vais me péter la gueule. Ah, en plus, c'est pas la bonne. Ah oui, effectivement, s'il t'offre des vêtements, mais que c'est pas la bonne taille. Ah, je comprends le problème. C'est turbo classique. Ah. On se connaît depuis ta naissance, mais je sais pas si tu aimes. Ah, oh, j'ai du mal avec ça. Alors que c'est facile, hein, techniquement. Mais... Je vais faire un méga truc, moi.
J'aime bien faire des méga trucs. Un avion à réaction. Ah non, ça va décoller si je fais quelque chose. Il faudrait que je les éteigne en fait. Comment je peux les éteindre pour les allumer après? Merde, non! Ah! Comment je pourrais éteindre ces merdes? Parce que j'ai pas ce qu'il faut pour. Ah! Non, c'est pas ça. Comment on donne le coup de bouclier déjà? Putain. Je vais éteindre les feux, les trucs, moi. Peut-être que si. Non. Si je le retourne. Ça l'éteint? Putain, ça l'éteint pas. Vous voyez les jeux vidéo comme c'est mal branlé? Parce que le problème c'est que si je mets ça là, ça va s'envoler là. On peut coller. Ah mais non. Comment j'éteins ça? Ça va pas prendre feu ça. Oula. Rien à foutre, à chaque fois je me gourde de boutons, hein. C'est ouf. Y a pas de l'eau. Et moi j'ai pas d'eau, j'ai pas un truc, genre un machin, un chuchu, j'ai pas quoi, mon cul. Ah, j'ai plus d'arc. Truc qui fait splash, je sais pas. Hein. Essaye. Je galère pas. Regarde, ça se passe bien. Je fais mon petit avion, tranquille. Enfin, ma petite montgolfière pétée là. Hop. Merde. Mais. J'espère que ça va marcher. Ah, c'est chiant. Ok. On le rapproche un tout petit peu, mais pas trop. Ça, c'est bien. Maintenant le problème c'est que je n'ai plus de place dans mon inventaire. Bon du coup tant pis, on va utiliser ça. Yeah. Attention les deux en même temps, hein, sinon ça va pas marcher. Youhou. C'est trop bien.
Oh, on dirait des culs. Ou une paire de couilles à l'envers. Ouh, il faut monter tout en haut. Après, je l'ai plus, hein, donc après, je le perds, donc il faut pas que je me foire. Y a rien d'autre. Attention. Y a pas de coffre. Du coup, elle est coincée maintenant. Oh, la montgolfière éternelle. Y a même pas un coffre, quoi. Ça sert à quoi? Bah d'accord que ça s'allume pas, ça. Voilà. On va tester, de toute façon, c'est pas grave. C'est pas grave. Non, c'est bon. Encore? Vous voulez que j'en fasse une? Ah putain, si j'aurais dû faire un truc. Je peux pas faire le retour en arrière sur moi. Et merde. Ah d'accord, ok. Putain, je vois pas grand chose, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait le coffre. En bas, là, ça a l'air de si fou tout ce qui se passe en bas là. Ah, faut faire monter une bouboule. Ah, super. Y a-t-il une plateforme intermédiaire sur laquelle... Ah, là-bas. Mais on dirait pas... Mais y'a rien. D'accord. Ça fait quoi qu'il y ait des flammes? Ok, 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 ok. Oh, c'est la sainte boubou. C'est une petite bouboule, ça? C'est pas une grosse bouboule? Donc il y a une petite bouboule et il y a une énorme bouboule. Ah, il est chalumax. D'accord, ok.
Mais y a pas de trésor. Pourquoi y a deux boules? Y'a qu'une planche! Oh, ça va être compliqué là. Oh merde, j'aurais peut-être. Ah, c'est là que je regrette de pas avoir gardé mon truc de tout à l'heure. Putain, y'a qu'une planche, sérieux quoi. Ça va être compliqué. Réfléchissons. Merde, j'ai pas le bon truc. Vrai homme fait ça sans planche. Ah oui, mais je réfléchis, hein. Ouais, déjà on fait une petite truc. Je voulais essayer un truc, mais non. Mais du coup, y a pas de coffre. C'est bizarre quand même. Moi, ça me perturbe. J'ai envie de tester un truc, mais je crois pas, non. On va pas faire ça. Ah, je vais me casser la gueule si j'utilise pas la planche, moi. Est-ce que je peux pas grimper là-dessus? Je peux pas m'agripper, moi. Ah, merde. C'est pas tel que je lui disais, mais bon, c'est pas grave. Ouah, ça va être la sacrée merde. Hein. Mais d'accord. Je comprends en fait pourquoi moi je peux passer. C'est parce que je peux passer par en haut. C'est pas grave. Parce que le but, c'est que je monte pas dessus. Mais oui. Oh bah du coup. Oh bah du coup, y a pas besoin que je monte dessus, mais c'est pas. On va rigoler. On va rigoler un peu. Wow. Eh ben voilà, ça va partir droit là. Attendez. Non, ça va pas partir droit. Mais ce qu'on peut faire. J'ai mal géré. Oh la merde. Ouais non. C'est con, j'étais bien. Ah, c'est débile. J'avais un bon truc et j'ai fait de la merde. Non, 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 non. Il a pris feu. Il a pris feu. Ah non, ça va. Putain, j'ai eu peur. Moi je dis là on est bien. Pas du tout.
Mais de toute façon, on s'en bat les couilles avec la... avec la... Qu'est-ce que je m'en bats les couilles une fois que le truc, il va voler? Ça va se mettre droit. Je suis débile un peu, moi. Alors là, est-ce qu'il y a rien pour... C'est très bien, là. Allez voir. Ça marche bien, là. Ah, c'est trop lourd. Ah, c'est trop lourd. Évidemment, j'aurais pu le deviner, hein, que ce serait trop lourd. Je suis un peu bête, quand même. Donc, on va rester sur la solution la plus évidente. Et la plus simple aussi, par la même occasion. Ouh là là. Putain, par contre, heureusement que j'ai de la gelée de chuchu, hein, parce que... Sinon, on fait comment pour les éteindre si on n'a pas de gelée de chuchu, hein? Ah merde! Je m'en mêle les pinceaux avec les boutons. Ah. Ah mais ou alors... Ah ça va peut-être pas être suffisant ça. Peut-être que les crash flammes ce serait mieux quoi. Je suis en train de me dire. Peut-être que ça va être trop faible. Qu'il faudrait peut-être mettre les crash flammes de ouf. Peut-être que ça peut marcher que pour la petite ou la grosse, mais peut-être pas pour les deux. C'est un peu l'enfer, hein, quand même. Parce que putain, en fait, il y a que 3... Il y a que 3 bordels. Ça va forcément partir en tentacule, ce qui va se passer là, non? J'ai pas réfléchi à ça. C'est pas une bonne idée. C'est pas la bonne strat. Attendez, on va trianguler. Tu dégages. Sinon, ce sera pas stable, la merde. Voilà, là, ce sera stable. On pose ça là. J'espère que ça va marcher. Ah bah, il n'y a plus de feu. Il faut tout allumer en même temps. Ah, mon truc est en train de cramer. Attention. Chpouk. Ah putain! Ça passe vite maintenant.
Là, la montgolfière explose. Non, j'avais plus peur que le... Du coup, elle sert à quoi la grosse? Mettre la petite et la grosse? Non, la grosse, elle devait servir. Ah, elle est là. Ah bah là, voilà le coffre. D'accord. Je comprends mieux. Ah, c'est la fin. Ouais, oui. Ok. Ah, c'était rigolo. J'ai mis le temps, par contre. Hein. J'ai mis très le temps. Oui. Ah bon, on va pouvoir s'augmenter le cœur, là. Tu m'as fait fort rire avec tes boules, sache-le. Ah, c'est parce que c'était encore une métaphore sexuelle, c'est pour ça. Il y a que ça qui vous fait rire. On a vu hier en regardant les clips. Hein. Il y a que le cul hein, qui vous fait réagir. Bande de dégueulasses. Bah, je parle que de ça parce que ça marche. Oh, et on peut utiliser de la montgolfière pour s'envoler dans le ciel. Ouais, oh, je peux l'utiliser pour ça en fait. Ça alors, si je m'attendais à tomber sur toi ici après tout ce temps, pardon. On m'avait dit que tu avais disparu, mais je suis soulagé de voir que rien ne t'est arrivé, puisque on va faire les liaisons à la Metal Gear Solid. Hein. N'oublie pas, hein. Meryl, elle, ne peut pas attendre. Et la princesse, alors, où t'est-elle? Où est Zelda? Dans ton cul, la vieille. On ne sait toujours pas où elle est. Et dans ce cas, il faut consacrer tous nos efforts à la retrouver. Qu'est-ce que tu crois que je fais, que je me branle? Justement, Link... Quand la princesse Zelda a disparu et que le cataclysme nous a frappés, ce grand dessin s'est matérialisé sur le sol. Bah, c'est les extraterrestres. On m'a rapporté qu'il y en avait d'autres aux quatre coins du monde. Il faut que je prenne la photo, c'est ça? Parcours donc le royaume avec Voka pour trouver ces dessins. Ces géoglyphes. C'est en observant les environs depuis la hauteur que j'ai remarqué l'existence de ce géoglyphe. Évidemment, si on se tient juste dessus, plus ensemble, il faudrait c'est se lever dans les airs et prendre la photo. Une espèce de véhicule qui permet de monter de là. Ça s'appelle une montgolfière. Mais le vent l'a emportée, elle s'est cassée en deux. Il faudrait le réparer, évidemment. Mais j'ai beau me creuser la tête, je ne vois pas bien comment faire. Laisse, moi je viens de faire un putain de temple où j'ai fait que ça, meuf, donc t'inquiète pas.
Ah, c'est pas bien collé. C'est, je pensais que ça allait se mettre. Excusez-moi. Mais quel est donc ce pouvoir? La super glue, mamie. Voilà. Regarde. T'as vu? T'es content? Allons voir ça. Elle va dedans déjà. Elle va prendre de la place avec son putain de... Il suffit d'allumer le feu. Oui, je sais, je sais, je sais. Glue qui ne fondra pas, évidemment. Bien évidemment. C'est de la glue magique. Attendez-moi! Pardon. Oula. Regarde un peu comme c'est haut, j'en aurais presque le vertige. Ah bon, tu trouves que je suis fatigué? Bah, je vais peut-être faire une pause alors pour avant le stream de ce soir. Ah, mais au moins, je vois parfaitement le géoglyphe, mon cher Link, et je t'en dois une. De quoi, des géoglyphes ou de baf? Sais-tu que j'ai trouvé une mention de ces géoglyphes dans les vieux écrits que nous conservons au village? Bonsoir, Kimi! Non, t'es pas en retard, c'est moi qui suis en avance, j'ai commencé à stream à 3h. Il dit que nos ancêtres ont tracé des géoglyphes près des larmes du dragon, en témoignage de ce qu'ils avaient vu. Tu te demandes ce qu'ont pu voir nos ancêtres, et eh bien tu n'es pas le seul. Ah, mais c'est Roru, là. Je suis pas certaine de comprendre ce qu'est une larme du dragon. Mais enfin, s'ils ont laissé des géoglyphes près des larmes du dragon... Il faut croire qu'on doit pouvoir en trouver une à proximité. Autant jeter un œil si tu veux mon avis. Tu trouveras peut-être une indication au sujet de la princesse Zelda. Si tu remarques quelque chose qui t'intrigue sur le géoglyphe, n'hésite surtout pas à sauter un paravoile, surtout. T'en fais pas pour moi. J'ai du mal à décoller, mais je maîtrise l'atterrissage. Ah, pour atterrir, on souffle le chuchu, c'est ça? Moi, à ce moment-là, quel paravoile. Ok, donc là, il y a un truc qui brille. Là. Bah, là aussi. Je peux pas le prendre en photo? Moi, je veux le prendre en photo, attendez. Ah non. Ouais, c'est parce que je me disais, ça va être compliqué. Parce que si je saute en paravoile, je peux pas prendre la photo aussi. Ça va être compliqué. Wouhouhou! Allez, on va essayer. Ah, ça marche pas. Merde, j'ai plus de force bientôt. C'est vrai, je triche, j'utilise la paravoile. Merde. Ah non, c'est pas ça que je voulais. Je suis sûr qu'il faut le placer quelque part. Mais... Où ? Parce que je crois qu'il y avait quelqu'un qui marchait là. Faut peut-être que j'aille voir la personne qui marche. Et que je prenne mon cheval.
Ouais, non, il faut que j'aille chercher un cheval. Hein. Ça va être chiant. Il n'y a pas un truc avec les chiens, genre si on leur donnait à bouffer. Ouais, je vais essayer. Tiens, je vais lui donner ça. Ah oui, c'est vrai que je peux faire ça. Ah, il est content là. Hein, il remue la queue et tout. Et maintenant, tu m'emmènes pas. Il en veut d'autres quoi. Ah, il va me suivre. Oh merde. Moi, je crois qu'après, il allait chercher un truc. Ou alors, il me suit jusqu'à ce qu'il y ait un secret, c'est ça? Ah, c'est peut-être ça le délire. Je me suis fait entuber du chien. Hey. Ouais. Ah. Un monstre gigantesque qui rôde au nord, juste au nord du géoglyphe. Si tu t'en approches, sois très prudent. Ah. Je veux mon cheval, donne-moi mon cheval. Hey. Ah. Oh. Mon petit bourrin d'amour. Mais du coup, il a toujours sa selle et tout? Ou il est vraiment nu? Allez, go! Ça fait plaisir de te retrouver, mon petit cheval d'amour. L'énigme du crop circle est horrible, j'ai résolu par hasard et du coup j'arrive pas à faire les sub. Ah, parce qu'il y a vraiment une énigme alors du coup. Oh là. Ouais, j'imagine qu'il faut faire un truc avec la pierre quoi. Ah bah voilà. D'accord, ok. Attends, arrête. Tu restes là. Oula. Ah oui, d'accord, ok. Comment on fait déjà? Alors attendez, comment on fait déjà pour le bouclier? Ah bah le marcheur il est là. N'aie pas peur. Le cheval. C'est pas ça. Il faut que j'aille voir lui là. Ah si, vas-y. Pizza. Oh, j'en fais une demain, moi.
Ah, t'es le monsieur à qui j'ai parlé tout à l'heure, c'est ça? D'accord. Attends, déjà là, je sais que je peux aller là, donc je vais y aller. Oh, c'est chiant. Non, on va pas aller là tout de suite. Bon. Qu'est-ce que... On dirait une statue Moai là. On est d'accord, c'est une statue Moai ça. Ça ressemble trop. Mais en fait non. Ah mais ou alors... Ou alors il faut que je... Bon, je vais essayer un autre truc. Il faut que je... Alors, je vais sauvegarder déjà avant de faire quoi que ce soit. Ah mais j'ai mis le rocher, maintenant il y a le rocher, je vais me prendre dans la gueule, non? Ah non, il est plus là. Il est redescendu, très bien. On va tester, mais je suis pas sûr que ça monte suffisamment haut aussi. Putain, ça... Il y a une tranche de cake hein, quand même. Hein. Putain, c'est long. On dirait Snake quand il a pas pris de diazépam. Quand je suis en haut, c'est bon? Ça va péter, c'est ça? Ah, d'accord. Ok, go. Putain! On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Le but, c'est que je plonge dans l'œil. Ah merde. C'est dommage. Bon, je pense pas que ce soit ça, mais bon, c'est pas grave. Tant pis. Jusqu'à la tour, je débloque tout ça et je fais une petite pause pour grailler. On se retrouvera après pour le soirée. Pour le soirée, tout à fait.
Ah la grosse chiasse. Ouah d'accord il... Ouah. Ah, oh, je sais plus comment on les bute les Littorok, moi. Non. Ça ne marche pas. Merde. On n'est plus qu'un. Ah merde! J'ai raté une affaire en or. Oh la vache. D'accord, d'accord. Attendez, parce que du coup, je suis en train de me dire dans le truc, moi j'essaye de mettre des pierres, de rentrer dedans en plongeant, mais si ça se trouve, faut juste te mettre dessus et ça te téléporte. Comme un gros débile que je suis. Par contre, si on pouvait utiliser quelque chose d'efficace. Oh, j'ai oublié mon cheval. Aïe. Mais oui, t'es beau, mais oui, t'es beau. Putain, c'est dégueulasse. Hein. Si j'avais eu le cheval de Zelda, du coup, si je m'étais fait chier à prendre mon temps pour attraper le cheval de Zelda, bah, je l'aurais eu là. Le super dada blanc tout pété. Là. Et vous croyez que si je rejoue, si on joue. Si on continue à jouer Breath of the Wild pour débloquer des trucs, est-ce que ça se retransfère? Ah putain, il suffit d'examiner, je suis débile. Je suis débile, hein. Je suis un gros débile. Mais il n'y a pas d'énigme. Ah. Ah d'accord. Ah c'est comme j'imagine les endroits à photographier, les endroits sur les photos à retrouver ou un truc comme ça. L'énigme c'est de trouver la flaque. Ah d'accord. Oh, c'est pas une énigme. Oh, la pauvre petite. Oh. Ah c'est ce que j'ai dit dans le passé, j'en étais sûr. Ah,
éveillé, on dirait. Pardonne-nous. Je me présente, je me nomme Sonia. Et toi, comment t'appelles-tu? Je suis la fille du roi Roam d'Hyrule, Zelda. Voilà une bien curieuse réponse. Oh. Mon épouse et moi sommes les fondateurs de ce royaume. Nous ne lui connaissons pas d'autre roi que moi-même. Vous avez fondé Hyrule ensemble? Et vous êtes le roi? Oui, je suis le roi Raoru, souverain des contrées d'Hyrule. Le roi Raoru et la reine Sonia? Mais alors... Pardon. Bah d'accord, bon bah c'est bien, on va pouvoir s'arrêter là. Ah, c'est le numéro 3. Crotte alors. Et je peux pas. Oui. Putain, tu m'as fait peur, mamie. Mais ils arrivent, tout le monde arrive par derrière dans ce jeu. Tu vas bien? Je note quand même qu'il y a un genre d'instance interespèce chelou là. Incroyable, alors comme ça tu as reçu comme une vision, des images étranges ont défilé dans ta tête. Tu dis avoir vu la princesse Zelda, Alors le géoglyphe, les vieux écrits, la larme du dragon et la princesse Zelda. Tout serait lié. Ah, c'est pour ça qu'elle parlait de l'arme du dragon. C'est parce qu'il voit ça comme un dragon. Bah, c'est un dragon, d'accord. Dragon humanoïde, et c'est au niveau de son œil, et c'était une flaque, d'accord. Okay, j'avais pas compris que c'était. Tout serait lié. À présent, c'est sûr, il faut continuer à examiner ces géoglyphes. Ils nous conduiront peut-être à la princesse. Moi, j'y pense. D'après les écrits anciens, le temple oublié renfermerait quelque chose en rapport avec les géoglyphes. Se trouve dans une gorge en Hébra. Je pense que nous ferions bien de nous y rendre un moment ou un autre. Yes, madame. Le temple oublié. Ok, alors, je fais une petite pause, les gens. Pour aller me sustenter un petit peu. Alors je sais pas qu'est-ce que je fais. Est-ce que je coupe le stream et je le relance tout à l'heure, ou est-ce que je sais pas, ou est-ce que je vous mets en pause pendant une demi-heure. Quel est le plus intéressant? Je ne sais pas.